Bonjour, je m'appelle Tristan, je suis jeune stagiaire à Morienne TV. Je vais interviewer l'adjudant-chef Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Quel est votre grade et quel est votre rôle ? Bien, je suis adjudant-chef, je commande la brigade de Saint-Jean de Morienne. Dans ce cadre-là, j'organise, entre autres choses, le service de la brigade pour faire en sorte qu'il y ait un accueil permanent à l'unité, qu'il y ait du personnel disponible pour intervenir à toute sollicitation. Faites-vous beaucoup d'interventions, à quel genre ? Alors sur Saint-Jean-de-Maurienne, enfin sur la circonscription qu'on est amené à couvrir, on est à un petit peu plus de 800 interventions sur l'année. Donc c'est une unité de sécurité publique générale, donc les interventions sont très variées, ça peut être pour des atteintes aux personnes, des atteintes aux biens, de la sécurité routière, on couvre tout le panel d'interventions. Combien de gendarmes y a-t-il sur une brigade comme Saint-Jean-de-Maurienne ? Alors Saint-Jean-de-Maurienne, on est censé être 20 gendarmes, en l'occurrence on est actuellement 18, avec une particularité, c'est que l'hiver on a une forte augmentation de population avec les stations, et donc on a du renfort pour armer deux postes provisoires au Corbier et à Valoir. Donc on monte un effectif total de 38 en théorie, donc les 20 de Saint-Jean-de-Maurienne plus 9 dans chaque poste. Quel est le secteur d'intervention de la brigade de Saint-Jean-de-Maurienne ? Alors c'est un secteur qui est assez vaste géographiquement, qui couvre en tout 19 communes, qui représente au dernier recensement un peu plus de 22 000 habitants. Et cette population est amenée à quadrupler, aller jusqu'à 4 fois ce nombre en période hivernale, une fois que tous les touristes sont présents en fonction du nombre de lits touristiques. Je m'appelle Laurie, je suis journaliste à Morienne TV. Quelle est la différence entre un gendarme et un militaire ? Alors un gendarme c'est un militaire, un gendarme a le statut militaire. La gendarmerie fait partie des forces armées, tout comme l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Particularité, c'est que depuis 2009, on est rattaché au ministère de l'Intérieur, du fait de notre activité qui est plus liée à la sécurité intérieure. Comment devient-on gendarme ? Alors, il y a différents types de recrutement. Pour accéder au concours sous-officier, il faut avoir un baccalauréat. Et après, c'est sur concours. Il y a également possibilité d'entrer en gendarmerie sans ce diplôme, par voie interne. Est-ce que vous choisissez votre affectation ? Alors on choisit partiellement, c'est-à-dire qu'on émet des vœux, on fait des choix, et après le gestionnaire nous place en fonction de nos desiderata et des besoins du service en priorité. Est-ce que ça a une incidence sur la vie familiale ? Alors oui, ça a une incidence sur la vie familiale dans le sens où on est logé dans une caserne par ce qu'on appelle nécessité absolue de service, donc on vit tous ensemble dans la caserne, donc forcément ça a une incidence sur la vie familiale, c'est la contrepartie un petit peu de notre astreinte et de notre besoin de devoir répondre à tout moment.